Un mobile de masse 1 200 grammes, considéré comme ponctuel, se déplaçait le long d'un glissière APCT situé dans un plan vertical. La pièce APCT comprend trois parties. Partie circulaire AP de rayon 50 cm, alpha 45. Une partie PC rectiligne. D'accord? Donc, attendez, alpha 2, tendon, partie CT rectiligne. Donc, calculer le poids du mobile de chacun. Donc, exercice 7. C'est le poids de A vers P. Bon. Donc, on tient le même A vers P. Il n'y en a pas de là-dessus. Donc, je vais lire NZA égale NZP. Donc, il constitue un travail moteur. Et MG fois H. Donc, H, il donc, donc, risque sur sinus. Donc, il y a MG, R, sinus, alpha. C'est un rayon. D'accord. On va le remplacer. Maintenant, la masse est 200. Qui sera la puissance moins 3 fois 10 fois le rayon moins 50 qui sera la puissance moins 2 fois sinus 0,45. Voilà, c'est vous d'avoir le travail, dire le poids, ma bien P vers C. Donc ma bien P vers C, il y a MG, H. Donc un A positif et un A moteur, le NZP pour le NZC. Donc, c'est-à-dire qu'on est à MG, PC, sinus, alpha 2. Donc, on dit la masse est de 110 à la puissance moins 3 fois 10 fois la distance PC, les donc, attends, HG, donc, on est déjà dans le sinus, donc, on est à. Attendez la distance HG. D'accord? Attends, je peux essayer donc en faisant. Faisons, je peux le dessiner. C'est un effet de halak. On peut le faire de l'altitude. P, C. D'accord? Les PG. Donc, on a de l'altitude HG. Et voilà. Hélas. Ou HP. Plus, l'altitude d'un plus H. Donc, on a un H. Il y a HG moins HP. D'accord. Donc HG est 1,4 moins HP. Le HP menel est là. R sinus alpha 1. D'accord. On va remplacer la relation de N. Je vais dire P moins P vers C. Il y a NG facteur de 1,4 moins R sinus alpha 1. ما كاينش كون كانت هاد بي سي نخدم عادي نخدم بعدي دونك بما ان عندي بي سي نخدم لخرى دونك سيغ لا بيست اونتر سي اي تي دونك ترافاي دو لو بوان اونتر سي اي تي هي ام جي فوا اش دونك هنا كيبان ان زاد هادي هي هادي دونك عطون اش تي كال زيرو داكو قالك سيغ لا بيست بي سي لو موبيل اي سومي ا دي فورت فروتمون ريبريزونتي باغ ان بلان le sens contraire de V, aussi la vitesse mobile et les constants. Déterminer la valeur de l'intensité F, celle de la réaction de R sur la paix. Donc, on met bien P, C, A, donc, deuxièmement, 1, une vitesse constante. Ce qui fait que la somme des travaux, il y a de la force, A, une P vers C, est égal à 0. Donc, il y a le travail, il y a le poids, on met bien P vers C, plus le travail. Il y a la réaction moins les frottements ma bien P vers C est égal à 0. Donc le travail de le frottement ma bien P vers C est égal à moins le travail de le poids. Donc elle dit qu'un alpha égale l'intensité moins F fois PC égale à moins le travail de le poids ma bien P vers C. Donc la moyenne des frottements est moins, mais elle moins avoir le travail de le poids sur PC. D'accord? اللي هي لا هي ام جي سينيس الفا تي.
Non, calculer le travail et la puissance de la force de frottement. Donc le travail de A. Travail de A de la force, gna wa, moins le travail de l'A. Donc la puissance de A. Donc maintenant, la puissance tirant. Yani, faites le déplacement. Normalement, il y a la force scalaire à la vitesse. Donc il y a la force fois vitesse fois le cosinus de LP. La combinaison au contraire. Il y a moins F fois vitesse. Il y a moins F lorsque je n'ai plus l'expression A. Il y a moins MG sinus alpha 2 fois vitesse. C'est-à-dire puissance de la force.